Certaine, c'est qu'au départ du match, on est qualifié, mais il y a une autre chose certaine, c'est qu'on jouera pour marquer et pour gagner le match. Si moi je suis venu à l'Olympique de Marseille, c'est pour jouer des matchs à enjeu. On en a joué deux la saison dernière, plus important que les autres, parce qu'après il y a eu les coupes nationales. On a joué à Bordeaux un match à enjeu et contre Bastia, le dernier match de championnat, parce qu'on voulait se qualifier pour, comme l'a dit Patrice, pour l'Europa League. Voilà, je vais refaire mon petit tour de disque rayé, mais en France, c'est comme ça. Vous devez aujourd'hui passer deux tours préliminaires pour pouvoir vraiment la jouer à la Coupe d'Europe. On en a passé un, voilà, et on compte bien passer le deuxième demain. On a fait un partout à l'aller. Et maintenant, on reçoit chez nous au Stade Vélodrome, donc on est déterminés. On n'a pas été surpris, je l'ai dit et je le répète, on n'a pas été surpris, on s'attendait à trouver ce qu'on a trouvé, notamment au départ du match, une équipe très engagée, une équipe qui court, une équipe qui a de la qualité. Donc on n'a pas été surpris. Après, ce qui est très bien, c'est d'avoir fait cette deuxième période où on a su égaliser, où on aurait pu marquer un deuxième but. J'oublie pas qu'on aurait pu en prendre aussi un deuxième. Mais donc les constats, ils sont les mêmes qu'avant, enfin, qu'après le match, quoi. Il faut qu'on soit meilleur demain, mais le contexte est différent. Le contexte est différent parce que c'est chez nous, le contexte est différent parce que maintenant, voilà, il n'y a plus qu'un match pour se qualifier, le contexte est différent parce que il y aura une grande détermination, le fait d'être au Vélodrome et d'être à portée enfin de se qualifier pour les poules d'Europa League. On montre ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait aussi des choses bien, et puis on montre ce qu'on peut améliorer, parce que je pense que la vidéo, pour ça, c'est quand même un outil de progression individuelle et collective assez, assez important. Je pense que de visualiser, c'est intéressant. C'est toujours dans un esprit de critique positive qu'on fait ça, parce que c'est nos joueurs. Moi, je veux qu'ils gagnent, mes joueurs, qu'ils soient contents, qu'ils soient bien équilibrés, qu'ils progressent. Et donc, c'est pour ça que j'ai confiance en eux et que de toute façon, au fur et à mesure des matchs et de la saison, chacun va progresser, l'équipe va progresser, mais on sait ce qu'il faut corriger. Puisqu'on parle du dernier match, c'est ça, deux tirs cadrés sur 11, c'est trop peu. Parce que sinon, il faut faire 100% de tirs cadrés pour gagner le match si on prend un but. Donc voilà, demain, on sait que si on veut gagner, il faut au moins marquer une fois. Et pour marquer au moins une fois, il faut plus cadrer que ce qu'on a fait la dernière fois. Disons que sur beaucoup de matchs, ça se vérifie, quoi. Les stats sont assez impitoyables. On l'a vu l'année dernière, j'en ai parlé beaucoup. À chaque fois qu'on a cadré plus de 40% des matchs, on les a gagnés pratiquement 9 fois sur 10. Et quand on a cadré un petit peu moins, ce qui a été le cas contre Angers, il arrive qu'on ne gagne pas. Ça n'empêche pas qu'il y a des très très bonnes séquences.